Comment tu peux transformer la personne à être quoi? Positive.
parce que ton Dieu voit quoi? Ce que le désir, la chair, parce qu'à la fin, il faut qu'il y ait la vente. Alors, le mécanicien est appelé à être capable de bien manager quoi? Ses émotions. Surtout quoi? L'émotion quoi? Négative. Notre meeting, c'est sur le terme apprendre à gérer les émotions négatives sur le terrain. Apprendre à gérer les émotions négatives sur le terrain. And to manage negative emotions in the field. Apprendre à gérer les émotions quoi? Négatives sur le terrain. Ce sont d'abord à définir l'émotion. Il dit, emotions, they are powerful feelings and impulses that propel the marketer into action. They are powerful feelings. Ce sont des sentiments puissants. Les sentiments puissants et l'impulsion qui provoquent ou qui l'impliquent automatiquement. Le mécanicien en action. Ça, c'est la définition d'abord de quoi? Les non-émotions. Les sentiments puissants ou l'impulsion qui implique le mécanicien automatiquement en action. Le mécanicien descend sur le terrain pour un but, pour atteindre, pour réaliser un objectif. Et on a défini l'objectif ici comme quoi? Un résultat quoi? Anticipé. Qui dit de quoi? Nos actions et quoi? Et réaction. Et quand il y a cette action qui vient de nous, il y a la réaction qui vient de quoi? Des personnels. Et la réaction du personnel automatiquement révèle nos émotions. Ça révèle nos émotions. Alors, si nos actes provoquent le personnel à nous chasser, automatiquement, la réaction ou l'action du personnel, du mécanicien, va déterminer s'il va réagir d'une manière quoi? Négative ou quoi? Ou positive. Les émotions, ce sont les sentiments puissants ou les impulsions qui nous impliquent automatiquement en action. Et il faut que nos actes soient bien organisés, posés, coordonnés. C'est même parce que la personne réagit négative. Il faut qu'automatiquement on réagisse de même manière. N'oublions pas, il y a quand même un expérimenté. Et l'expérimenté, c'est qui? C'est le mécanicien. Qu'il a appelé à supporter n'importe quel comportement du personnel. Lui, quand même, expérimenté. Il te sent qu'il est déjà prêt à tous ces genres de comportements. Parce que ça se reflète dans les différentes catégories de mentalité. Positif, négatif ou quoi? Passif. D'abord, quels sont les exemples des émotions négatives? Ça peut être un, la colère, deux, la peur, ou on se sent un peu triste par rapport à certains comportements venant du personnel. Ça peut être la peur, là où il y a certains gens qui ont peur de les aborder sur le terrain. Automatiquement, ça dégage l'émotion quoi? Négative. C'est quoi? La colère. Tu abordes quelqu'un, il t'exige. Et une fois aussi, tu donnes sa part. Ça, c'est l'émotion négative que tu as activée. Ou ça peut être quoi? Tu es triste. Donc quoi? De 10 heures jusqu'à 15 heures, même une pièce n'a pas encore flashé. Il y a une mine maintenant qui s'installe. Il y a une manière même que tu dis à mon Dieu. Il y a une manière même que tu fais la démarche avec ton bureau. Tu marches déjà comme quelqu'un, comme une fille enceinte. Comme si tu es prêt d'accoucher. Il y a une manière que ta démarche, ça change et le sac même pète. Pourquoi? Parce que tu es dérangé. Tu es dérangé. Que depuis 11h jusqu'à 15h, 16h, même une personne va vous passer. Ça change automatiquement ta vie. D'abord, naviguer dans ce genre d'atmosphère. Parce que notre système, ça nous réserve beaucoup de surprises. Tant que ce n'est pas encore 17h, même quand il reste seulement 3 minutes, le mécanicien est capable d'atteindre quoi? Son objectif. Comment il peut persister alors? Et il est toujours positif. Même quand c'est déjà 16h58,
Il ne reste que 2 minutes. Et c'est la dernière personne qui veut toucher. Comment il peut rester toujours optimiste dans sa tête? Yeah! À la fin, il a perdu. On va voir les différents éléments qu'on peut pratiquer, qui peut manager nos émotions négatives en permanence. Même si on a flash, on n'a pas flashé. Mais tant que ce n'est pas encore 17h, le mécanisme reste toujours quoi? Optimiste. D'abord, premier élément qui peut aider le mécanicien à manager ses émotions négatives. Premier élément, c'est-à-dire, in order to manage negative emotions in the field, the marketer needs to develop a powerful personality. Premier élément, le mécanicien doit développer quoi? Une personnalité puissante. Une personnalité puissante. A powerful personality. 2. Build up efficiency. Ça veut dire que quoi? Gagner en efficacité. Et 3. Ability to control your mood. Il doit être capable de contrôler quoi? Ses émotions, ses mots, sa situation, les circonstances. Are you excited? Yeah. Are you motivated? Yeah. Are you sick? Just are you okay? Alright. Are you alright? Pour manager, pour gérer les émotions négatives. Le mécanicien doit développer une personnalité quoi? Puissante. Gagner en efficacité. Yeah. Et être capable de contrôler sa situation. Être capable de contrôler les circonstances. Les situations qui se présentent quand il est devant le personnel. Quand on parle d'une personnalité puissante, qu'est-ce que ça veut dire? La personnalité puissante, qu'est-ce que ça veut dire? On dit ici. Le mécanicien doit être quelqu'un en permanence. Il est confiant de ce qu'il fait. Il est confiant de ce qu'il fait. Il a la confiance dans ce qu'il a fait de faire. Il est confiant. Parce qu'on dit quelque part quoi? Un homme confiant est un homme quoi? Compétent. Il est confiant de ce qu'il fait. Il est confiant de l'activité. Il est confiant de ce qu'il applique. That's okay. Yeah. Moi, tu veux dire? Yeah. Et tu aussi? Je sais. Quand on parle de la personnalité puissante, qu'est-ce qu'on dit? Il n'est pas facilement influencé par les opinions négatives du personnel. Personnalité puissante, il n'est pas facilement influencé par les opinions négatives venant du personnel. Il n'est pas facilement influencé. That's okay. Yeah. Moi, tu veux dire? Yeah. Quelles que soient les opinions négatives du personnel, that's okay. Yeah. Il reste ta personnalité. La personnalité là est toujours là. Elle est certaine. Yeah. La personnalité là est toujours là. Il s'en fout des opinions négatives qui viennent du personnel. Elle est certaine. Yeah. Il a une personnalité à protéger. Parce qu'il sort quelque part. N'oublions pas, il a dit que quoi? Il est un étudiant en médiatique. Et à la basse partie de sa formation. Elle est certaine. Yeah. Il y a quelque chose qu'il est en train de refléter. Alors, quelles que sont les opinions négatives du personnel, reste yeah. Il n'est pas découragé, il n'est pas touché. Sa personnalité reste toujours. Reste yeah. Alors, il n'est pas influencé, il n'est pas intimidé. Reste yeah. On a défini l'influence comme quoi? Cette habilité d'avoir quoi? Un effet important. Vers qui? Le personnel. Lui qui doit influencer qui? Le personnel. Reste yeah. Alors, il n'est pas intimidé. Il n'est pas influencé par le personnel. Au contraire, c'est lui qui influence qui? Le personnel. Et pour ça, on dit, il doit être capable de contrôler les circonstances. Juste les circonstances. Qu'est-ce que? Yeah. Alors, quand on dit une personnalité puissante, on voit un mécanicien qui est confiant, qui n'est pas facilement influencé par le personnel. Qu'est-ce que? Yeah. Et on worried by the behavior of the personnel in the field. Il n'est pas dérangé par rapport au comportement du personnel. Si le comportement du personnel est négatif, au contraire, c'est là où il est plus engagé. Parce qu'il ne veut pas comment transformer ce comportement-là qui est négatif en passif et pourquoi positif. Alors, le moment qu'il aborde déjà quelqu'un, il peut déjà discerner qu'il est devant qui? Une mentalité quoi? Négative. Il est content. Pourquoi? Parce que c'est là où il doit prouver ses compétences. Là où il cherche à prouver ses compétences. On le laisse sortir découragé, il est plus content, il est plus motivé, il est plus engagé.
parce qu'il veut voir à quelle dimension, à quelle tête, il peut transformer cette mentalité quoi négative. N'oublions pas, nous sommes qui? Nous sommes qui? Quand on descend sur le terrain, on fait aussi cette étude de quoi? L'anthropologie, de quoi? Cette étude à savoir manager quoi? Les mentalités. Alors quand il te dit une fois que j'ai affaire avec une mentalité négative, là ça fait, on compte, il n'a pas peur. Il n'a pas dérangé du comportement du personnel. Il n'a pas dérangé. Il s'est au contraire, ça fait partie de son devoir. Pourquoi? Parce que quand il descend sur le terrain, il a déjà classifié trois styles de mentalité qui va le construire. Positif, négatif et quoi? Passif. Ça veut dire que quand il détecte une fois, il connaît que ça tombe dans telle catégorie. Alors il n'est pas dérangé du comportement du personnel. Même le personnel dit, ah, faut pas, faut que tu ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il dégage son sourire. Parce que c'est une manière de tester quoi ses compétences. Et il garde toujours quoi cette personnalité-là. Cette opinion négative du personnel. C'est pas qu'il ne se sent pas dérangé par son comportement. Il veut parler et il constate que quoi? Le personnel n'a pas intéressé. Il insiste deuxième fois ou troisième fois. Il regarde son temps. Il est déjà 5 minutes. Qu'est-ce qu'il fait? Sinon, je constate que le personnel n'est pas intéressé parce qu'il veut montrer. Et alors, il démarche. Il continue parce qu'il a constaté dans ce cas-là. Il continue. Il continue. Et il monte déjà dans cette fiche d'évaluation. Je viens de raconter quoi? Une mentalité quoi? Il continue. Ça ne nous dérange pas. Parce que ça fait partie de quoi? De son devoir sur le terrain. Et on dit, il doit développer une personnalité puissante. Et on dit encore quoi? Gagner en efficacité. Quand on parle de gagner en efficacité, qui veut dire en anglais, build up efficiency. Ça veut dire quoi? It is that level of performance whereby the lowest amount of input is used to produce the greatest amount of output. C'est ce degré de performance là où la quantité entrée la plus faible produit quoi? La grande quantité de sortie. La quantité entrée la plus faible produit quoi? La grande quantité de quoi? De sortie. Allez-vous savez? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que tu es capable de dire dans 2 minutes, mais c'est que ça produit comme résultat, même après la clôture, quand tu fais la conclusion, même le personnel est étonné. Que tu m'as convaincu, c'est dans 2 minutes, c'est dans 2 minutes, il voit le temps, et il voit sa réaction, et c'est quoi la question de l'orace? On vous donne quoi là-bas? Il y a un certain degré, la manière que tu es efficace dans la chose, la manière que tu as compris la chose. C'est que tu peux dire dans 2 minutes, la tête, tu peux déjà susciter quoi? Le désir d'achat. C'est ce qu'on parle de gagner en efficacité. Être bref, précis et quoi? Et concis. C'est pour cela que un médecin qui descend sur terre, qui passe souvent du temps avec le personnel, il a souvent cette conséquence que c'est difficile. 1. Qu'il a compris les gens. Et 2. Qu'il flash. Qu'il peut faire une bonne production. Tu peux faire une bonne production. Et c'est que je vous dis, ça ne respecte pas le titre. Ça affame l'individu. Ce n'est pas parce que tu es têté que tu ne peux pas faire ces erreurs. Non. Il s'agit, quand on parle de gagner en efficacité, on parle de comment le mécanicien est plan. Comment il descend sur le terrain pour se perfectionner. Parce que si on parle de sa performance, cette habilité d'être en exécution est capable de produire quoi? Un résultat à la fin de la journée. Et c'est pour cela que si tu es chez lui, tu perds trop de temps devant un personnel. Et après, il n'achète pas. Demande la réformation. Parce que tu auras toujours ça comme problème. Demande la réformation. Ce n'est pas normal. Tu as 300 à 350 à raconter. Et tu passes 10 minutes avec un personnel. Là où à la fin, il n'achète même pas. Ça veut dire qu'à la fin de la journée, tu vas raconter combien de gens? Tu risques de ne même pas raconter 50. Et automatiquement, ça va chercher ta performance à la fin de la journée. Et à ce moment, il y a un problème sur quoi? Ton autoconfiance. Il y a un problème sur quoi? Ta compétence. Tu n'es pas compétent. Et ça se développe sur quoi? Ton bilan. Alors, gagner en efficacité de même un problème. Donc pourquoi? Parce que ce qui entre dépasse ce qui sort. Automatiquement, le
cela. Mais quand tu ne parviens pas à gagner en efficacité, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'il y a un problème sur quoi? La compréhension objective du système qui applique. La compréhension objective du système qui applique. Et ça devient maintenant difficile d'être quoi? Effectif. Qui est quoi? Créer son quoi? Son propre style. Et troisième élément que j'ai parlé ici pour manager ces émotions négatives sur le premier point, j'ai dit, sois capable de contrôler quoi la situation, tes circonstances. Et ça tombe sur notre huitième point dans quoi le huitième étape du management qui parle de quoi prendre contrôle sur qui l'individu, votre situation et par conséquent votre futur. Quand on parle de votre futur, quoi? La réalisation de vos objectifs à la fin de la journée. Mais la réalisation de vos objectifs à la fin de la journée est garantie. Qu'est-ce que c'est? De la réalisation de ton objectif derrière chaque mentalité que tu racontes. Et chaque mentalité que tu racontes. Qu'est-ce que c'est? Au moment que je clôture déjà avec Josué et j'aborde Josué, qu'est-ce que c'est? Moi, tu veux dire? Il y a un futur que j'ai établi ici. Qui est déterminé par mon bilan? C'est vrai que quelqu'un peut raconter A, mais la manière qu'il raconte déjà B, il est déjà découragé par rapport au résultat qui vient de produire ici avec A. Alors, chaque mentalité que tu racontes représente déjà un petit quoi futur en termes de quoi la réaction de ton objectif à la fin de la journée, qui est maintenant quoi ton grand futur. La réaction de la fin de la journée, c'est ça qui détermine comment tu as raconté chaque mentalité. Parce qu'on a dit que quoi? N'importe quelle action ou le network que tu crées derrière chaque mentalité représente quoi? Ton futur. Après on dit prendre contrôle sur qui? L'individu. Après on dit quoi? La situation. Et après on dit quoi? Par conséquent, votre futur. Derrière chaque mentalité, c'est encore un petit futur. Mais à la fin de la journée, c'est là où tu peux savoir est-ce que ce que je peux faire, ça peut garantir encore quoi? Un autre objectif le lendemain. C'est ça qui va voir. Est-ce que tu peux rentrer avec des émotions positives ou négatives par rapport à ton bilan à la fin de la journée? Alors, comment être capable de contrôler ces circonstances ou la situation? On parle de quoi? Ability to identify, regulate your emotion and respond in a socially flexible way. Pour être capable d'être toujours dans le contrôle des circonstances ou la situation vis-à-vis au personnel. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a une manière que tu dois t'identifier. Il y a une manière qu'il faut manager tes émotions. Et tu dois reformer d'une manière quoi? Socialement flexible. La personne accepte ou n'accepte pas. Sois social avec la personne. Sois flexible, sois élastique. La personne t'insulte, c'est que tu vas la partie, sois social. Le but, ce n'est pas parce que tu t'es bien comporté avec la personne. Le but, c'est une continuation avec la personne-là. Que tu continues toujours avec cette morale positive. Alors, ce n'est pas seulement que tu gardes une bonne relation clientèle avec le personnel. Mais il y a aussi là où tu peux toujours continuer ta journée. Ce qu'on appelle le travail continu. Tu vas avoir cette atmosphère, là en permanence. Là en permanence, tu es navigable. Il achète, il n'achète pas, tu es toujours motivé. Il achète, il n'achète pas, tu es toujours motivé. Pourquoi? Parce que tu vas faire en permanence, à contrôler quoi? Les circonstances, la situation. Deuxième point, comment on peut manager, on peut gérer nos émotions négatives. On dit, il faut activer, donner l'occasion à ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle doit jouer son rôle. Et puis, emotional intelligence now plays a greater role in order for the marketer to be able to manage negative emotions. Pour être capable, les gens pour être capable de manager quoi? Ces émotions négatives. Donc, il faut faire preuve de quoi? L'intelligence quoi? Émotionnelle. L'intelligence émotionnelle. Et on a déjà défini l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est cette habilité d'être capable de d'abord correctement, proprement manager quoi? D'abord tes émotions.
là où ça trouve l'expression d'une manière appropriée et effective. Dans le but là où ça focalise toutes vos attentions. Vers quoi? La réalisation de vos objectifs. Alors, la manière que je balance mes émotions automatiquement, je dois créer déjà une émotion appropriée que la personne que j'apporte, il se sent à l'aise. Ah, yeah. Par exemple, ça arrive souvent. Je les ange pour toi. Tu vois un personnel qui est fâché. Et une fois tu dis bonjour. Une fois tu dis quoi? Bonjour. Et dis, qu'est-ce que tu veux? Parce que tu le trouves dans un état là où il est fâché. Il a des problèmes. Et le moment que tu lui dis bonjour, tu dis, mais qu'est-ce que tu veux? Ne me dérange pas. J'ai trop de problèmes. Mais ça yeah. Moi je veux dire. Yeah. Je sais pas que tu dis sinon, monsieur, je m'excuse. Parce que tu veux me dire, là. Essaye de voir comment tu peux ramener la personne à être toi. Relax. Même si la semaine il n'achète pas, mais tu as joué un rôle sur la personne. C'est comme l'histoire de Moure et Larry Telebon. Comment Moure est parti dans un bureau et il entre, quand il tombe, il entre, il trouve le monsieur avec son enfant. Et le moment qu'il s'introduit pour monter le bureau, qu'est-ce que le monsieur dit que ben, tu entres ici pour me déranger, pour me montrer comment tu vas le jouer. Alors que j'ai les problèmes dans ma tête. Et qu'est-ce que le monsieur l'a fait? Le monsieur parle, quand il parle, il a envie de venir vers Moure. Il a envie de venir vers Moure. Qu'est-ce que ça fait? Et quand il vient vers Moure, avec ce problème qu'il a pris avec sa femme, qu'est-ce qu'il fait? Il pop Moure aux fesses. Tu ne me déranges pas. C'est le problème et tu viens si tu me déranges. Et quand il pop Moure aux fesses, Moure dit, je me suis excusé. Sinon, parce que tu as bon, je vais dire, ah prochaine. Et quand Moure sort, le moment qu'il sort, il commence à aborder encore les autres gens. Le monsieur me dira, à un moment, ça commence à me déranger. Quelqu'un vient pour me parler. Il m'a rien fait du mal. Mais au contraire, parce que j'étais fâché, je dégage sa vie sur la personne. Donc tout ça même, la personne m'a sauté parce que ma personne m'a été quoi? Sociale avec moi. La personne était sociale avec moi. Ça veut dire qu'avec tout ça, la personne me souhaite toujours quoi? Bonjour. Ça me dérange. Et le monsieur sort. Il est arrivé avec qui? Moure était déjà parti. Et Moure était avec qui? Un stage qui formait. Au nom de qui? Larry Telebon. Et Larry Telebon nous dit que le gars, c'est comment? Tu peux présenter quelque chose à quelqu'un. La personne n'est pas intéressée. Au lieu que la personne te laisse partir, te pose aux fesses. Et tu dis encore bonjour à la personne. C'est comme ça que tu vas créer ce que tu dis qu'on va créer. Comme pas les gens nous chiffrent, nous portent aux fesses. Et on dit bonjour. Il dit car si tu n'as pas la force, il faut me dire. Allez, ça t'aide. Yeah. Je suis prêt à me cacher. Parce que tu es de bonne offre, qu'est-ce que tu as fait? Et Larry, il disait qu'il avait la force. Moure dit que okay, j'ai compris. Le lendemain, il part toujours au même endroit. Il part toujours au même endroit. Et la même porte qu'on avait portée pour l'offre, il tombe toujours la même porte. Ah, et quand il tombe, il entre. Où est Larry qui avait la force? Il s'est recule. Il s'est recule. Et quand il s'est recule, il parle maintenant le geste. Il dit. La personne vient qu'on t'a porté, ne tente pas. Et quand il dit c'est le cul, quand il dit c'est le cul, à quel secteur? Moure tombe toujours. Quand il dit c'est finalement, Moure a. Et quand le monsieur pour nous dit, tiens, quand j'ai vu, hein, tu dis, il dit, monsieur, est-ce que je vous ai dit, passez une bonne journée et à la. Je suis en train. Il dit, ouais, j'ai une date très gentille, je m'excuse. Le monsieur a commencé à relater quoi? Son histoire. Le monsieur a commencé à dire, c'était comme ça, j'avais un problème avec ma femme, après ma femme, elle a quitté la maison, elle m'a abandonné avec les enfants, elle m'avait l'enfant, les gars, même je suis venu avec l'enfant au bureau parce qu'il y a personne qui peut s'occuper de l'enfant. Tiens, je suis vraiment désolé. Et c'est là où le monsieur dit, qu'est-ce que je peux te faire? Aïe, ça tête. C'est là où dit, oh, je suis comme ça, je fais non. Il présente dans quoi? Les journaux. Le monsieur achète tout. Tout. Et quand il achète tout, il dit, amouré, prochainement, quand tu passes ici, il faut toujours venir me voir. Parce que tu es quelqu'un gentil. Est-ce que quand il arrive voir comment il y a échange de l'argent, et le monsieur prend quoi? Les genoux. Ça bouge. Est-ce que il commence à venir vers Moure. Est-ce que il vient vers Moure. Et quand il arrive voir l'argent, Moure prend son argent. Et quand Moure prend son argent, il dit, sinon, parce que tu es bon, tu es. Et là, le marche. C'est quand Paris dit, non. Aujourd'hui, je te respecte. Tu es mon grand frère.
appuyons toi, on veut créer quelque chose d'international. Et dit, toi, la pas chez toi, prends tous tes diplômes, mets ça au fond du lit, viens, on s'en va. Et c'est là la rue, la rue lui dit, je veux te dépasser. Dans la paix, je veux te dépasser. Et le lendemain, la rue vient dans son sac. Larry a commencé aussi à se lever les cheveux. Il y avait une concurrence entre le blé. Larry descend sur le terrain, il vide le sac, il se ravitaille. Moura descend sur le terrain, il vide au sang, il vient aussi se ravitailler. Et en très peu de temps, le vieux homme a réalisé quoi? Une très grande souci. Dans ça, Larry voit d'abord un résultat, une réalité. C'est pas pourquoi ici de quoi? Une manière quoi? Socialement flexible. La personne achète ou n'achète pas. Qu'est-ce que c'est? Yeah. Assure-toi que tu clôtures d'une manière quoi? Socialement flexible. Pour toujours garantir que tu peux repasser le lendemain. Aïe, qu'est-ce que c'est? Yeah. Aïe, toi. Ouais. Gatou. Ouais. Gatou, toi. Ouais. Alors, c'est le goal de ce qu'on appelle l'intelligence quoi? Émotionnelle. Être capable de d'abord bien manager quoi? Tes émotions. Là où ça trouve l'expression d'une manière quoi? Appropriée de quoi? Effective. Et ça focalise tout. Vos attentions sur quoi? La réalisation de quoi? Vos objectifs. La personne se trouve d'une manière obligée de vous écouter. Le pourquoi? Parce que ta réaction automatiquement provoque la personne à naviguer dans cette même atmosphère que tu viens d'établir. Quand il y a dit ça, l'intelligence émotionnelle instaurée par le mécanicien. De la manière que ça affecte le qui, le personnel qui d'abord. Là où le personnel se voit une fois, il se sent sur une obligation d'écouter le mécanicien. Là où même ça soucie même quoi, le désir d'achat. Qu'est-ce qui se passe? Ça crée une fois une connexion. Une connexion. Parce qu'il veut dire quoi? Les deux régions de son esprit rationnel. Son esprit rationnel, ça crée une fois une connexion. Esprit rationnel du mécanicien, c'est quoi? Première partie, c'est sa pensée qui est focalisée sur quoi? Sur un résultat. Un bon résultat. Et deuxième région, c'est la partie qui est focalisée sur quoi? Sur quoi? Le mémoire de travail. Ça, il y a une connexion dans quoi? Les deux régions du esprit rationnel du mécanicien. Et première, c'est la partie de sa pensée qui est focalisée sur un bon résultat, l'excellence. Et deuxième, la partie qui est focalisée sur quoi? Sur le résultat, sur le mémoire de travail. Quand on parle de la partie qui est focalisée sur quoi? Qui est focalisée sur quoi? Sur un résultat, un bon résultat, ça veut dire quoi? Il est optimiste. Le mécanicien est optimiste. Quel que soit le comportement du personnel, qu'est-ce que c'est? Yeah. Tant que ce n'est pas encore 17 heures, il est optimiste. Il est sûr qu'il va atteindre son objectif. Parce que ça, il y a une connexion dans ces deux régions de son esprit rationnel. Premier, il se focalise sur quoi? Un résultat qui est basé sur l'excellence. Il veut être le meilleur à la fin de la journée. Il veut être le meilleur à la fin de la journée. Et c'est avec cette idée qui part, qu'il a en train de naviguer avec, qu'il a en train d'apporter les gens avec. Comme maintenant, il y a le même produit en permanence, il travaille dans sa tête, c'est que je dois être le meilleur ça. Je dois être le meilleur ça. Pourquoi? Il y a une connexion dans la deuxième raison de soi, sur l'esprit rationnel. Il y a une connexion. Et première, c'est la pensée qui est focalisée de réaliser quoi? Un résultat basé sur quoi? L'excellence. Et dans la deuxième, c'est quoi? Il est focalisé dans cet objectif. Et sa permanence, c'est quoi? Cette mémoire de travail. Yeah. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Ça fait en sorte que il y a ce qu'on appelle la gestion émotionnelle qui s'installe. Ça veut dire que quoi? Le médecin est capable d'appliquer maintenant la pression. À chaque moment, il se trouve avec un personnel. Il est capable d'appliquer la raison. Et quand il veut déjà appliquer la raison, ça veut dire qu'il a déjà construit quoi? La logique. Et la logique du système, c'est quoi? La logique du système, c'est quoi? Hein? Quoi? La logique du système, c'est quoi? Josué? Il n'y a pas la réponse ici. Tu veux faire quelque chose? Il n'y a pas de réponse. La logique du système, c'est quoi?
Mais pour que moi, comment dire, est-ce qu'il y a... La logique du système, c'est quoi? La logique du système, c'est quoi? On a compris que l'intelligence émotionnelle, c'est que ça crée. C'est que l'intelligence émotionnelle crée. Ça crée une atmosphère là où le médecin est capable de manager bien ses émotions. Et la façon qu'il manage ses émotions, ça trouve dans l'expression. Là où ça s'exprime d'une manière appropriée et effective. Le pourquoi? Parce que le personnel, le fait qu'il manage bien ses émotions, le personnel, il faut toujours sa place. Et quand le personnel trouve sa place, les deux sont focalisés sur quoi? Sur un même but. Là où la personne est intéressée au produit, et le mécanicien prend son argent. Maintenant, on dit que quoi? Il y a une connexion entre deux régions de notre esprit rationnel. Deux régions de notre esprit rationnel, c'est quoi? Première, c'est la pensée qui se focalise à avoir un résultat basé sur quoi? L'excellence. Je te donne comme exemple, il y a un bonus qu'on a lancé. Tu as mis dans ta tête que je dois être le meilleur dans cette salle. Et garde-toi attitude. Et en permanence, je suis en train de naviguer avec cette attitude positive. Pour être quoi? Le meilleur dans cette salle. Est-ce que deuxième côté là maintenant, c'est ce côté de penser là où, qu'est-ce qui se passe? Il y a manière que tu travailles, ça se repose et en permanence, il y a quoi? Le même moment que tu travailles, tu es en permanence activé. Le mémoire du travail qui est en permanence activé. Et on a dit tout ça, ça fait naître quoi? La gestion quoi? Émotionnelle. Ça fait naître quoi? La gestion émotionnelle. Et derrière ce qu'on appelle la gestion émotionnelle, qu'est-ce qui se passe? On applique maintenant la raison. Pourquoi on applique la raison? Parce qu'on avait déjà une bonne compréhension de la logique. Qui est ma question? La logique du système, c'est quoi? Oui. Pas mal. La logique du système, c'est quoi? La logique du système est dans ce quoi? Monsieur, vous voulez parler? Faut parler. Les membres. Management des émotions. La logique du système, c'est quoi? Tu veux parler? Regarde la gestion émotionnelle. On peut être dans la raison. On peut être dans la raison. La compréhension objective du système qui est le travail fait d'une manière quoi? Quelle manière quoi? Efficace. La logique du système, c'est la compréhension objective du système. Qu'est-ce qui va s'en parler de la totalité de la réalité du système? Là où tu peux te familiariser avec les différents périodes, positif, négatif et passif. Alors, la compréhension objective du système. Maintenant, pour entrer dans la gestion émotionnelle, c'est là où on parle de la raison. Qui veut dire que quoi? La raison demande qu'il y a une manière socialement flexible que je traite mes personnels. C'est que parce qu'il a dit quelque chose qui n'est pas intéressé, qui signifie que je dois le laisser comme ça. Il y a une manière que je peux toujours le ramener à acheter. Pourquoi je dois appliquer quel élément? Je dois appliquer quel élément, l'intelligence émotionnelle, c'est là. Je dois appliquer quel élément? Parce qu'il me dit qu'il n'est pas intéressé. Ce n'est pas forcément dit que je dois, il faut qu'il sait. Je lui dis, parce qu'il te montre dans la prochaine, qu'il puisse chanter en cible. Non! Il y a une manière pour que je peux faire, parce que je suis en train d'appliquer quel élément sur le personnel. Oui? Influence! Alors, parce que je suis un, parce que ça fait partie, il y a une notion de quoi? La gestion émotionnelle, ce n'est pas tout ce qu'il dit que je dois lui faire dire que ça va. Il peut dire et je change ça, parce que je suis son influenceur. Il peut dire et je change ça. Le pourquoi? Parce que dans la gestion émotionnelle, je connais que dans la raison, je peux ramener la personne à être toujours avec moi d'une manière indirecte, jusqu'à la chaise. D'abord, tu sais que c'est pas sur le terrain, c'est une sorte de comédie, c'est un film. Attends, j'apporte le dit, mouf, je suis pas intéressé. Mais peut-être étouffé que je souris. Vraiment. Il est d'abord étouffé que je souris, même quand il me dit mouf, je suis pas intéressé. Là, il y a mes problèmes sur le terrain, derrière, il n'y a même pas l'argent, laisse-moi trahir, tu vois comment tu es hors d'ici. Mais il est intéressé que tu souris.
Là, il fait tout ça tout seul. Pourquoi? Parce que son émotion n'est pas sa place. La logique, c'est quoi? C'est tellement que tu vois des comportements comme ça. C'est ça la logique. Parce que tu as déjà une bonne compréhension compétitive du système. Il y aura des gens que tu vas trouver comme ça. Mais la raison maintenant, c'est quoi? Quand il dit comme ça, ce n'est pas forcément que tu ne peux pas nous exprimer. C'est parce que quand il dit, tu viens d'avoir une atmosphère de l'axe, là où tu fais quoi? Tu souris. Et quand tu souris, regarde, si tu étais en veste, il faut d'abord arranger la veste. Et tu ne vas pas. Tu dis, monsieur le maire, vous me souvenez. Regarde, je vous souris d'accord. Tu n'es même pas l'argent, mais maintenant tu vois. Ah, monsieur, laissez-moi vous dire, vous êtes la première personne qui me parle comme ça. Et sinon, je pensais que peut-être, je ne serais pas intéressé. Mais donnez-moi seulement quelques minutes. J'ai besoin de vos critiques. Parce que je passe partie de moi, de la formation. Critique, oui, monsieur. Critique, tu sais ce qu'il ressemble de moi. Hein? Ça veut dire qu'il peut te dire n'importe quoi. Il aura, tu ne peux te parler n'importe comment. Tu as tout de même ramené. Tu m'as des quoi? Un direct, mais quoi? Important. Parce qu'à la fin, il va commencer à naviguer avec toi. Il va t'écouter. Il va t'écouter. Ça tombe ce qu'on appelle la chercheur, quoi? Émotionnel. Parce qu'à ce moment, tu fais peu de quoi? La raison. Tu fais peu de quoi? La raison. Son comportement, c'est logique. C'est normal. C'est la logique que tu trouves les gens comme ça. Pourquoi? Parce que tu as une bonne compréhension objective du système. Qui fait quoi? Il y a des gens négatifs. Il y a des gens quoi? Positifs. Il y a des gens quoi? Mais sa réaction, ça a rien, ça ne te touche même pas. Pourquoi? Parce que premier point nous a dit que quoi? Avoir une personnalité quoi? Puissante. Et ne pas être dérangé de quoi? Le comportement de qui? Du personnel. Parce qu'on parle de personnalité puissante, il faut manifester quoi? La seule confiance. Confiance vers le personnel. Il faut avoir cette confiance. Pourquoi? Parce que tu veux gagner en quoi? En efficacité. Tu veux gagner en quoi? En efficacité. Et le moment qu'il donne ces 3 minutes, il a déjà sorti l'argent dans ses poches. Il a déjà sorti l'argent dans ses poches. Parce que tu gagnes en efficacité. Peu de quoi? Peu de quoi? Peu de quoi? La quantité pour quoi? La quantité. Quantité d'entrée de quoi? Faire produit de quoi? Une grande quantité de sortie en termes de quoi? Résultat. Il est tout que dans 3 minutes, il a déjà arrivé dans ses poches. Il a déjà pris le produit. Et quand je dis, monsieur, passez une très bonne journée à la prochaine, il dit les gens ici. Après encore, tu viens me dire, monsieur, c'est comme vous êtes encore intéressé à un autre produit. On vous forme bien là-bas. Et quand tu dis déjà ça, là, démarche. Incroyable. Incroyable. Tu es fier de ce que tu fais. Tu es fier de ce que tu fais. Quelqu'un que tu as trouvé, qui te dit là, je change. Qui est aussi négatif? Qui te dit que je ne suis pas intéressé à ça? Mais une fois que les commentaires qui sortent, ils disent, mais il dit qu'il faut dire là. Faut dire là. Je veux quand même voir. Par curiosité, je veux quand même voir comment ça se passe. Et demande quand tu le rappelles, tu vas encore faire. Je suis là. C'est pas, je suis là. Je veux voir. Tu veux pas que je fasse l'argent comme tu fais aussi. Ah, mais donc tu regardes. Yes. Et je dis, quand il y a la gestion émotionnelle, qu'est-ce qui se passe? La raison permettra en sorte que tes émotions s'expriment d'une manière appropriée et effective. Parce qu'un homme confiant est un homme quoi? Compétent. Et tu es consistant dans ta être. Parce que tu es sûr et tu connais les certains que chaque homme nous approche quoi? Et tu es sûr encore qu'à la fin de la journée, tu seras quoi? La meilleure dans la salle. Parce qu'on va dire au bilan de la même, on va dire telle personne. Les gens sont faits. Pourquoi? Parce que tu as cette atmosphère à démarrer.